Que ressent la personne de ton cœur? J'ai une musique là tout de suite en tête, c'est L'amour est un bouquet de violettes. Je sais pas pourquoi je l'ai. Il y a peut-être quelque chose à y chercher. Qu'est-ce que le violet te fait penser? Le violet, c'est une couleur qui est hautement spirituelle, donc ça veut dire que tu as une connexion très importante. Ça veut dire que peut-être qu'il faut que tu continues à travailler ton intuition. Bref, je m'égare. Que ressent la personne de ton cœur face à toi? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle vit par rapport à toi? Peut-être c'est des choses qu'elle ne te dit pas, forcément. On te dit que cette personne a une vraie fidélité de cœur. Je trouve que cette carte, elle est importante parce qu'elle te dit, c'est pas parce que, en fait, ne regarde pas ce que je fais, mais essaye de penser à ce que je ressens. Du coup, tout de suite, avant, je te parlais d'intuition. Peut-être qu'il faut que tu arrêtes de regarder avec tes yeux, mais que tu regardes un peu plus avec ton troisième œil. Troisième œil, c'est la connexion aussi avec toi, tes anges gardiens, tes guides. On te dit que, attention, ce que tu vois aujourd'hui par tes yeux n'est peut-être qu'une illusion, peut-être d'une distance, d'une séparation, de quelque chose dans ce style-là. On voit qu'il y a beaucoup de puissance qui vous lie. Tu vois, c'est un chêne a beaucoup de racines qui sont très profondes. On sent que c'est quelque chose de très fort, de très intense. Ok. En fidélité de cœur, parce qu'il y a peut-être eu, il y a eu des trahisons par le passé, c'est pas peut-être, il y a eu des trahisons par le passé. Et on sent que du coup, c'est pour ça que tes yeux regardent ce qui se passe, mais on te dit, écoute ton intuition. T'as tenté de l'oublier. T'as tenté de l'oublier, il y a eu des crises, il y a eu beaucoup de trahisons. On sent qu'il y a des choses que tu n'as pas forcément acceptées. T'as tenté de l'oublier, t'as tenté de mettre des choses en place et ça a créé la séparation. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, vous avez une fidélité de cœur que tu ne perçois pas par tes yeux, mais que je suis en train de te dire qu'il faut que tu te connectes à ton cœur, à ton troisième œil, parce qu'il y a de la sincérité. Ça veut dire que, oui, il y a des choses qui ont été compliquées, ça a duré beaucoup de temps, on sent qu'il y a eu un manquement de sincérité, toi, par rapport à lui ou elle, mais ça a été libérateur, ça a été, il a fallu libérer des choses de ton passé, tout comme lui d'ailleurs, avec beaucoup plus de souplesse. Ce qui était n'est plus aujourd'hui. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Ça, on est sur le présent. Ici, on était sur le passé de la séparation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à espérer sur un futur qui est quand même plutôt présent quand même? Tu vois, on te dit que tous les espoirs sont permis. C'est une bouteille à la mer qui est arrivée et il y a un message pour toi. Et regarde, sur cette là, c'est un